traversé les siècles. On l'appelle le livre des livres. La Bible est le plus grand best-seller de tous les temps. C'est certainement le livre le plus mondialement connu, le plus vendu, le plus lu, le plus génial. Enfin, c'est quand même un livre extraordinaire. Connu sous le nom d'Ancien Testament, le premier opus de la Bible est le fondement de la religion juive, mais aussi des deux autres grandes religions monothéistes, le christianisme et l'islam. Pourtant, l'Ancien Testament a une étrange particularité. On ne connaît pas ses auteurs. Le problème, c'est que nous ne savons pas le nom des gens qui ont écrit la Bible. Donc, ils n'ont pas signé leur texte. Qui a écrit la Bible ? À quelle époque ? Dans quelles circonstances ? Et avec quel objectif ? Rien ne pouvait permettre de répondre à ces questions, jusqu'à ce qu'une extraordinaire découverte vienne tout bouleverser. Celle des manuscrits de la Mer Morte. Les plus anciens manuscrits bibliques connus à ce jour. Certains datent de plus de 2300 ans. Les manuscrits de la Mer Morte sont considérés comme la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle et probablement du XXIe siècle. Ces manuscrits sont-ils le texte originel de la Bible? Pourraient-ils nous dévoiler l'identité de ses auteurs? C'est ce que les experts du monde entier cherchent à découvrir en utilisant les techniques les plus modernes. C'est grâce aux sciences que nous trouvons les réponses. Thank you.